Comment? C'est comment ça le thé? Voilà, c'est le warman du thé à terre. Enfant du malgré tout ça. Bon, j'ai fait cette vidéo pour parler d'un sujet que j'ai posté l'autre jour sur la page là. C'est un sujet d'un type là, d'un taxi là. Il est venu m'accuser que c'est à cause de moi que sa copine est partie. Et voilà, c'est un gars de 32 ans, si j'ai bonne mémoire. Et la fille a 28 ans. Ils sont ensemble depuis 3 ans, ben, je crois. Et pendant 3 ans, il n'a jamais vu les parents de la fille. Il n'a jamais cherché à savoir où il vivait, d'où elle vient, tout ça. Bref, il était lui allé dans sa relation. Un matin, la fille a dit qu'elle en avait marre. Elle est partie. Et un mois après, il voit la fille aller au restaurant. Ça l'énerve. Il vient dire c'est à cause du warman que sur ma page, j'ai donné les conseils. Et la fille est partie. D'abord, je voulais préciser à tous les Camerounais. Les femmes comme les hommes. L'accusation ne marche pas vers un homme comme le warman. Je donne mon avis avec de manière précise. Parce que souvent, c'est les femmes qui, certaines fois, qui veulent m'accuser. C'est à cause de mon gars est parti. Oh, ma dominante. Elles sont en train de chialer. C'est votre problème. C'est pas mon problème. Vous pouvez appeler la ligue de tout le monde pour accuser Waman. Ça ne change rien. Moi, je ne veux pas changer mon avis ni ma façon de penser. C'est moi qui décide. C'est moi qui dicte ma vision de penser. Tu penses ce qui est bien. Le reste, tu vas te faire. Je n'ai pas envie d'être vulgaire. Bon, bref. D'abord, c'est quoi? Quand je parle de mal dominant, il y a des règles pour être mal dominant. C'est un concept très clair. Travailleur, battant, cultivé, sud, somme, responsable. C'est mal dominant. Quand je parle de Lady Kamer, c'est une fille Lady Diamant, c'est une femme qui est responsable, soumise, battante, mais elle connaît la valeur de son gars, de son mari et de son foyer. C'est ça les règles. Mais si quelqu'un vient vous dire, oh, je suis mal dominant, je suis Lady Diamant, oh, il chie sur la route, il monte, ce n'est pas mon problème. Dans ce sujet, qu'est-ce que le gars a fait? Tu avais une fille depuis 3 ans, man. Hé, hey, mon frère, 3 ans, tu n'as jamais vu les parents d'une fille. Tu considères que c'est la femme de ta vie comment? Est-ce qu'en Bain, on a besoin d'argent pour aller voir les parents d'une fille au Cameroun? Est-ce qu'on a besoin de téléphoner aux parents d'une fille? Est-ce qu'on a besoin de savoir, on a besoin de souffrir pour aller voir les parents d'une fille? C'est pas compliqué. Tu appelles la fille, tu avais une fille, tu dois avec elle, tu viens d'où? Ton père c'est qui? Ton village c'est d'où? Tes grands-pères où? Donc, tu n'as jamais débordé pendant 3 ans. 3 ans en Bain, c'est comme 40 ans. C'est long. Merci. Et un matin, la fille se fâche. Elle s'en va, tu viens m'accuser. D'abord, il y a deux possibilités. Enfin, plusieurs. Soit la fille avait déjà un gars à côté, parce que tu te plains parce qu'elle avait un gars à côté. Elle avait un gars qui jouait sur deux tableaux. Soit la fille était sérieuse avec toi. Elle attendait que tu ailles réagir. Tu n'as jamais réagi. Un matin, elle reste partie. Elle avait un nouveau grave qui la grave. Elle a le droit de faire sa vie. Donc, le magot, c'est aux hommes, là. Surtout aux gars. Diman, les gars, sont responsables. On accuse les femmes, c'est bien bon. Nous-mêmes, quel est notre rôle en tant qu'homme? Tu ne peux pas être avec un gamin. Parce que j'ai vu les hommes dire là-bas qu'il n'y a pas de délai, les gars. Arrêtons ça. Même dans le MB, ce soir, responsable. Je suis un homme, je ne peux pas tolérer ça. Tu ne peux pas être avec un gamin. Nous connaissons bien quand on avait une femme, si c'est la femme de notre vie, si c'est la mère de nos enfants. On sait bien, on sait au début. Tu avais que 1 an, 2 ans, 3 ans. Je vous dis, un gars qui vous respecte, mesdames, il avait vous voyez tout le temps, pendant 6 mois, s'il ne cherche pas à savoir même d'où tu viens, ta soeur, ton père, il n'est pas sérieux, c'est criminel. Ça va énerver cet homme-ci. C'est un chargeur, les gars. C'est mauvais, on se connaît. Si c'est un buisson, dis à la fille que maman, il n'y a pas de mariage entre nous. On appelle ça en Europe, on a sex-friends. Sex-friends, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas ta vie, fille. Et comme les filles là, aiment toujours déménager chez les hommes, elles pensent qu'on s'en vient vivre chez soi. Tu laisses. Si que je l'arrive le matin, la nuit, tu sais pas d'où elle vient. Tu ne connais pas son frère, tu ne connais pas son père, ni personne. Tu laisses avec la fille, reste là. Elle attend le mariage. Elle vient vivre le mariage dans la maison. Elle reste là. Elle cuisine, elle mange, elle écarte les gens que Van Damme. 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, un matin, le gars n'a pas épousé, fille de 2 mois. Donc c'est votre faute, mesdames. Je pense que c'est votre faute, vous les femmes. Vous vendez trop moins cher. La tradition a été faite pour aider les femmes, pour sécuriser les femmes. Vous ne respectez pas cela. À la base de la tradition, tu ne peux pas aller dormir chez un homme sans que tes parents soient au courant. À la base, tu ne peux pas aller vivre chez un homme sans que tes parents soient au courant. Mais comme vous, les filles de nos jours, vous bafouez tout. À la base même, il faut aller en mariage vierge. Vous avez refusé, vous avez dit que vous avez voulu jouir le sang. Jouissons dans le sang, ne pleurons pas. Vous vendez moins cher, vous accusez les hommes. Les hommes n'ont pas de problème. Le jour que les hommes auront la pression, par exemple, d'accoucher les enfants, ils ne vont plus tomber enceinte. Ils ne vont pas tomber enceinte. Ils vont faire attention. Vous, les femmes, ça vous les faire attention de ne pas tomber enceinte. Voyez-vous ? C'est à vous de dire, non, écoute, chez nous, je ne peux pas vivre chez toi si tu ne peux pas voir mes parents. Je ne peux pas aller chez toi si tu ne m'épouses pas. C'est comme ça qu'on fixe les règles. Les hommes se marient par pression directe ou indirecte. Soit ça vient de leurs parents qui t'aiment bien, qui mettent la pression, soit ça vient de toi-même avec tes règles, mesdames. Mais si vous laissez, en Europe ici, par exemple, tu ne quittes pas vu chez un homme, tes parents ne connaissent pas, tu cuisines, tu joues le jour, merci. Un matin, tu te plains, il m'a perdu les temps avec sa bouche. Hein? J'ai donné tout en amour, il est parti. Tu pesais quoi d'abord? Chacun doit assumer ses erreurs. Parce que les hommes, là, ils ne sont pas pressés. Un homme peut être avec toi 2 ans, ça fout, surtout de nos jours. Bon, dans ma génération, on a encore cette morale. Je ne peux pas vivre avec une fille sans connaître ses parents. Je ne peux pas. Et puis, il faut qu'on se voit un buisson aussi, c'est comme ça. Mais vivre avec elle, dans la même maison. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes n'ont pas de problème. On voit des hommes qui ont enceinte 5 filles. Ils n'ont pas de problème. Ils boivent sa bière. Toi, tu es là, tu perds ton temps. C'est toi la femme qui pleure. Donc, mesdames, si vous voulez vous responsabiliser, apprenez à mettre des règles. Soyez d'abord honnête avec vous-même. Vous êtes avec un homme pas pour de l'argent, parce qu'il est important, il est travailleur, et vous mettez les règles. Je ne peux pas venir vivre chez toi. Arrêtez de prendre les sacs. Moi, des petits congés de 2 semaines, vous partez mettre chez un homme.
Vous dormez, vous mettez les bosses à dents, vous êtes toujours en train d'occuper la maison. Il ne connaît pas vos parents. Il s'en fout. Comment on va aller se marier? Pourquoi? Puisqu'il y a le coquille, la nourriture, la damée, le lavement. Tu es là, tu attends. Il ne veut pas le mettre la pression. Il va croire que, mon ami, quand on a des valeurs, quand on se sent qu'on a des valeurs, on met des règles. Moi, j'ai mes valeurs, j'ai fixé mes règles aux femmes, aux amis, à n'importe qui. Ça vous plaît pas, vous partez. Mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est mon avis. Donc, les femmes et les hommes ne m'accusaient plus pour rien. Ils venaient aussi témoigner quand ça se passe mal. Heureusement, c'est un témoin parce qu'il y a des mariages partout. J'apprends. Vous ne venez pas témoigner quand ça se passe mal. C'est le Waman. Il a dit que j'ai dit très clair. Ma dominance, c'est ça. Voilà les règles. Femme diamant, c'est ça. Et pour aller vivre avec un homme, il faut que tes parents soient d'accord. Chez nous, c'est interdit. Donc, les filles, les chenilles qui partent vers les hommes, c'est leur problème. Autant dire, 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 autant bordel, arrête dans le pays. Autant dire, 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 autant. Mais si tu ne fais pas ça, ne pleurez pas. Quelle que soit la région du Cameroun, du nord au sud, on n'autorise pas les filles d'aller chez les parents d'un gars sans voir les parents. C'est la moindre des choses. Vous allez me dire, il y a les gars qui voient les parents et fuient. Mais ça, c'est les cas malhonnêtes. Mais ça réduit le pourcentage. Apprenez à dire aux hommes, tu m'aimes bien, je suis une femme valable, tu me considères comme la bête d'enfant, vois mes parents, arrange les choses, viens vivre chez toi. Ne forcez pas. Si un homme ne veut pas, ne forcez pas, mesdames. Ne promets pas enceinte de l'homme pour le retenir. Un homme doit vous épouser d'abord, mettre la bague, mettre la de tout. Avant de vous dire. Si vous ne voulez pas, allez toujours accuser. Ah, Waman a dit que. Ah, elle n'a pas vu là-bas deux ans. Waman a dit que. Quand on aime. Waman a dit que. Ce n'est pas mon problème. C'était mon avis. Donc, il y a des gens. Mais oui, quand on dit Mandoum, quand tu as Mandoum, que tu as un man. Autant tu as un quoi. Mandoum, autant Mandoum, mais oui, l'embargo de ma tape. Que valeur, que responsabilité, voilà, vous êtes fier avec moi ici, là. Je voulais avoir mes parents vous voir, arranger la dot, arranger le toque de porte, voilà comment on fait les choses de Maïkle. Mais si vous ne voulez pas, vous dites que la tradition c'est rien, que vous êtes dans les grandes prières, machin, tout qu'on connaît là, vous chantez, vous dansez, vous êtes libre, vous voulez jouir le sang, vous voulez minda, vous voulez montrer que vous avez beaucoup joui. Ne pleurez pas quand le comté s'élève. Et les gars n'ont pas de problème, les voix n'ont pas de problème. Vous allez venir de le coq, ils vont taper. Vous allez vivre les gens parce qu'ils vont tirer. Non, pas de problème. C'est vous qui allez pleurer, mesdames. Donc, ce garçon-là, parlons de ce garçon. Diman, tu as joué ta mère. Tu es malhonnête. Je te l'ai dit en face. 3 ans d'une fille. Tu n'as jamais vu ses parents. Et tu veux m'accuser. Tu n'as pas honte. Vous, les hommes, vous aimez comment? Aujourd'hui, tu dis que je ne travaille pas. Est-ce qu'on a besoin de travailler pour les parents de filles? Laisse la fille faire sa vie. Si elle a trouvé un nouveau gars, bon, que ça marche ou pas, elle t'a laissé tomber. C'est fini. Tu reviens maintenant qu'elle veut l'épouser. 3 ans? Mais les gars, non, mais j'ai pas. D'abord même, si c'est ma petite soeur, il ne peut pas me laisser. Hein. Il ne peut pas laisser un gars pour ma petite soeur 3 ans comme ça. Là, ils font quoi là? Je vais la chasser. Je veux les... C'est même qui ça? 3 ans d'une fille. Tu es dedans avec toi. Et ceux qui sont avec toi, elle cuisine. Elle fait les bons plats. Tu ne même pas qui t'a appelé les parents là. Tes parents, c'est qui? Ton père, c'est qui? Tu t'assois en Europe. Tu es à l'aise. Tu es trop beau. Tu es très fort. Elle ne m'attend pas. Non, elle m'a déçu. Je l'aimais. C'est moi qui ai fait. Elle est partie. C'est moi. Elle fiche là. Tu vas me faire quoi? Viens dans la rue me parler. Te tape, chèvre. Hey, dégage. Là, ça. En tout cas, c'est mon avis. Ça vous énerve, c'est votre problème. L'accusation de changer sur le cap ou le cap. Yeah, maintenant.